Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans un petit hall, petit Action. Je suis passée chez Action et donc j'ai acheté des bricoles. Des bricoles. Je ne voulais rien acheter, mais j'ai craqué. Alors, avant, là, c'est pas Action. Ça, c'est dans un bazar. Un bazar. Je ne sais plus quoi. En fait, j'allais à un rendez-vous médical en ville, on va dire, parce que moi, j'habite la campagne. Et j'allais en rendez-vous médical dans une grande ville. Et du coup, en attendant, parce que je pars plus tôt, en cas où il y a du monde sur la route, quand je ne sais pas du tout, quand je vais en région parisienne. Et où je me suis garée, il y avait des magasins que je ne connais pas du tout par ici. Donc, je ne sais pas, gros lot, ou enfin, j'en sais rien. Et du coup, il y avait un bazar et bah, j'ai acheté que ça. Donc, c'est des napperons, il y en a 50 dedans. Mais la taille, en fait, ils sont plus grands que ceux que j'ai. Moi, je les ai bien sûr en petit. Et je les ai la taille un petit peu au-dessus. Je vais avoir les blancs, mais comme ça. Sinon, j'avais pas les grands grands. Donc, comme vous savez, j'aime les napperons. Donc, je les ai pris. Voilà. Et je les ai payés 1 euro. 1 euro 25, je crois. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pas Action. Ensuite, à Action, j'ai pris. Je vais vous montrer en premier le papier. J'avais dit que je ne prendrais pas de papier. Et celui-là, bah, je l'ai pris. Ouais, je sais pas pourquoi. Non, non, mais c'est pas sérieux du tout. Donc voilà, alors je l'ai pris parce que je me suis dit, il y a des dessins qui sont pas mal et il y a du rose. Voilà, je me suis dit, des fois, je cherche du rose pour des choses. Voilà. Avec le recul, je me dis, c'est du n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et là, il y a des étiquettes, je trouve ça sympa. Et là, il y a plein d'étiquettes avec des mots. Donc ça, c'est pas mal aussi. Voilà quoi. Aucune utilité en fait. J'en ai tellement. Et en fait, avec le recul en plus, je me dis c'est du n'importe quoi parce que Action, je peux pas plier donc ça. Enfin, je peux pas plier. Il y a beaucoup de papier, ils cassent quand on les plie. Donc du coup, ils vont servir que pour la déco quoi. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai fait le tour. Bon, sinon, je trouvais mignon. Mais il faut que j'arrête d'acheter du papier puisque ça ne sert à rien. Là, j'ai pris ça. Alors, ça, j'ai pris parce que ça, j'en ai plus. Je l'ai utilisé pour je ne sais plus quoi. Je l'avais déjà en cette couleur-là, un petit peu. Donc, c'est de l'élastique, en fait. Voilà. Il y avait en rose aussi, mais j'ai pris que le mint. Tout simplement parce que j'avais une idée pour faire quelque chose avec mon classeur. Et en fin de compte, j'ai changé d'idée. Bon, c'est pas grave. Mais à l'origine, je voulais de l'élastique mint. Mais je voulais pas du comme ça à l'origine. Je sais plus. Je ne l'ai pas là. Non, j'ai dû le ranger. Je voulais un élastique, vous savez, les élastiques ronds là. Et en fin de compte, bon, j'ai changé d'idée. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Bon, ça servira. Et je me suis pris des perles. Oui. Alors, j'ai trouvé celle-là. Donc là, je suis sur 40 pour faire mes pics. Bah oui. Donc là, je suis persuadée 40 parce qu'en fait, ils sont gros les trous. J'ai pris, donc il y avait bleu, il y avait dans les tons marron. Et dans les tons roses. Donc j'ai pris une bleue et deux roses. Voilà. 1 euro la boîte. C'est bien. Quelque chose comme ça. Enfin, c'était pas très cher. Alors, je dis pour les. Comment ça s'appelle? Pour faire ça, mais ça peut être pour faire autre chose. Donc voilà. Hop. Dedans, il y a des petites attaches en couleur argent. Et des petits anneaux. Il y a de la ficelle rose, de la ficelle comme ça. Et là, on a. Voilà. Donc, on peut faire. Voilà, là, ils rentrent tous au moins. J'aime bien ces formes-là, là, un petit peu. Voilà, c'est sympa. Ça peut faire un pic sympa. Oui, ça peut être sympa. Ouais, voilà. Bon, ben voilà. Donc, j'ai pris celle-là. Je pense que ça peut être sympa. Toute manière, c'est acheté. Après, je disais pour faire les pics, oui, vous pouvez faire plein de choses avec, je suppose. Des petits bijoux, des petites choses comme ça. Donc voilà. Donc j'ai pris rose. Donc j'ai dit deux roses et une bleue. Voilà. Donc ça. Et j'ai pris celle-là. Que j'ai trouvée aussi. Alors tout simplement parce que là les couleurs sont pas mal, je trouve.
à l'origine. Il y en a une autre, il y a une autre couleur avec des couleurs plus flashy. Je ne suis pas forcément flashy. Là, elles sont plus chères, celles-là. Elles sont à 3 euros. Donc là, c'est les mêmes. J'en ouvre qu'une seule, hein, mais en fait, c'est les mêmes. Allez. Voilà. Donc, c'est les deux mêmes. C'est les couleurs qui changent. Donc là, c'est dans les tons verts. Et là, c'est dans les tons rose-rouge. Donc, comment ça s'ouvre? Comme ça. Comme ça. Ne veut pas s'ouvrir, celle-là. Ah mince. Ah. Oui. Voilà. Donc, dedans, il y a une pince. Donc, du coup, j'en aurai plusieurs. Il y a du fil en ferraille, des petits mousquetons. Voilà. Voilà, bon, ça ne servira pas forcément. Là, on a, ah bah, pour faire des boucles d'oreilles, donc ça ne me servira pas si quelqu'un les veut, un de ces quatre. Des petits anneaux. Là, il y a des petites breloques. Ah! Il y a un petit cadenas, il y a une clé, une étoile, un cœur et un petit, comme un petit diamant. Là, il y a de la ficelle. Voilà. Et là, il y a des perles. Et donc, à mon avis, il y en a qui rentrent. Donc, on va regarder. Donc, il y a celle-là. Elle rentre. Des petites roses comme ça. Alors, dans le mien, après, je ne sais pas. Elle rentre. Ouais, ça, les trous paraissent assez gros quand même. Je vais toutes les tester. Rien, si ça rentre pas, ça servira à autre chose. Alors, les petites comme ça ne doivent pas rentrer quand même. Non, celle-là ne rentre pas, les petites. Ces petites-là non plus, je pense. Allez, toutes petites perles, ça ne rentre pas. Celle-là rentre. Elles sont petites quand même. Hein. Celle-là, ça ne doit pas rentrer. Celle-là, ça rentre. Mais du coup, mélanger avec ça, je devrais réussir à faire quelque chose. Hein. Celle-là, bah, ça ne rentre pas, j'ai dit. Je n'ai pas essayé, mais bon, on sait que ça ne rentre pas. Mais ça peut servir aussi quand je fais des. Comment ça s'appelle? Ah, si, ça rentre. Ça rentre aussi. Ah, bah bien. Celle-là, ça ne rentre pas normalement. Oui, les toutes petites comme ça, là, les perles de rocaille un peu. Ça peut servir quand on fait. Ça rentre. Ah mince, je vais y arriver. Vous savez, des. Ah, des épingles à nourrice. Ouais, ça rentre pas. Et là, ça rentre. Et ben voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Et là, ça rentre pas. Et ça rentre pas normalement. Non, ça rentre pas. Ça rentre pas. Donc voilà, il y en a quand même bah, toutes les plus grandes. En fait, les celles de rocaille, c'est la perle de rocaille, je crois qu'ils s'appellent ça, mais un peu grosse, elles ne rentrent pas. Et toutes les autres, ça rentre. Donc ça m'en fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 différentes. C'est pas mal, hein? Donc voilà. C'est tout, hein? Donc bah, je suis toujours contente. Parce que pour le prix, ça allait, quoi. C'était pas trop trop cher. Là, ça, les quantités sont à peu près les mêmes là. Ah, par contre, là, oh, c'est mal fait. Ah oui, là, c'est mal fait par contre. Donc là, c'est couleur argent. Ah, bah, je vais vous l'ouvrir quand même. Ah, j'ai pas regardé dans l'autre. Celle qui est comment? Ah, où les perles sont vraiment multicolores. C'est des couleurs beaucoup plus flashy. Ah, allez. Eux, il y avait qui font, bah ouais, ils font des bijoux, des bracelets. Je vais fermer celui-là. On va faire une bêtise parce que pour ceux qui me connaissent, Miss Bêtise, c'est moi. Ah oui, il faut réussir à le fermer. Ouais, ça y est. Donc dans celle-là, en fait, du coup, hop. Alors, pour les boucles d'oreilles et tout, et les petits anneaux, c'est doré. Là, le fil. Il y a du fil argent, mais bon, c'est du fil qu'on ne voit pas normalement en ferraille. Du fil transparent. Et là, les petites attaches, les petits mousquetons sont dorés. Par contre, là, c'est rose gold. Mais. Ah, et puis j'en ai que 4. À moins qu'il y en ait. Alors que là, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque la clé.
Là, il y a une clé. C'est les mêmes choses. Il manque la clé, là. Il m'en manque un. Et là, j'ai la passe. À moins qu'il soit passé ailleurs. Là, c'est des fils. Et là... Ah oui, je n'ai pas regardé, mais ça rentre. Donc là, ils sont plutôt couleur un peu... pas doré. Ouais, un doré un peu. Et là, ils sont couleur argent. Là, vous voyez, c'est vraiment... c'est rose gold. Donc ça va pas avec... Enfin, ça va pas. C'est pas doré, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc, bah là, c'est pareil. Je mets ça à la poubelle. Ça à la poubelle. Donc là, bah là, celle-là rentre. Voilà. Et les petites, elles rentrent pas. C'est exactement la même chose. Elles sont jolies, les couleurs, là. Bleu pétrole, hein. On voit ça rentre pas. Il manque pas grand-chose, hein, c'est dommage. Là, ça rentre pas. Non. Là, ça rentre. Là, ça rentre aussi, normalement. C'est ça. Là, ça rentre pas. Ah! Il n'y a pas loin. Hein. C'est dommage. Ça rentre. Là. Ça rentre pas. Là, ça rentre. Là, bon, bah, ça rentre pas non plus. Là, bah, ça rentre pas. Là, ça rentre. Voilà. Bah, ça en fait quand même. Hein. Bon, bah voilà. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, ça fait quelques perles quand même qui rentrent dans ces fameux pics. Bon, de toute manière, ça sert pour autre chose. Et là, les perles, j'arrête. Hein, parce que j'arrête pas d'en acheter. Hop. Voilà. Voilà pour mes petits achats actions. C'est vraiment un petit haul, hein, histoire de quoi. Ouais, c'est des perles. J'ai pris le bloc. En fait, c'est ça qui. J'ai pris le bloc parce que comme je prenais les perles, que je passais en caisse. Sinon, je l'aurais pas pris. J'arrive pas à la refermer, par contre. Celle-là se ferme bien. Pourquoi celle-là? Bon, c'est pas grave. Donc voilà mes petits achats actions. Et puis bon, celui-là. Donc voilà. Et eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bah, à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.